Monsieur Blaskowitz, j'ai aussi besoin de matériel de soudure, s'il vous plaît. 7. Ouais. J'essaie de comprendre ce que vous faisiez exactement dans votre petite organisation. Est-ce qu'il s'agissait de mécanique surnaturelle? Surnaturelle? Nous ne croyons pas au surnaturel, Mamoulou. Nous croyons en Dieu. La Dacirud est une philosophie, une manière de comprendre Dieu par le savoir. Elle s'appuie sur la raison pure, la pensée rationnelle. Rien de surnaturel. Enfin, voyons. Ah. Donc, tout ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous comptiez faire de tout ça, au juste? Non, vous ne comprenez pas, Mamoulou. Pour nous, l'acte de création ne se substitue jamais à un but ou une intention. Nous créons pour communier avec Dieu, vous comprenez? Je ne vous suis pas. Comme des équations mathématiques. Oui, continuez, Médélé. Et chaque équation résolue vous rapproche de Dieu. Mais vous ne comptiez pas vous en servir? C'est l'acte de création lui-même qui vous sert. Oh, ta zoï, Médélé. Oui, elle en a vraiment dans la caboche, celle-là. Est-ce que vous voyez la différence? Mamoulou, la cachette que je m'apprête à vous révéler n'est pas une salle au trésor. C'est un dépôt géologique profond qui protège nos créations les plus dangereuses pour la sécurité du monde extérieur. Leur objectif est déjà atteint, vous voyez? Tant que notre cause y gagne. Oui, continue. Et lui à tous et à toutes, c'est Bestie. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'offre absolue de Wolfenstein's New Order sur PS4. Nous sommes actuellement au chapitre 9 ou 10, hein, je ne sais plus, on verra bien. Donc voilà, c'est parti. Alors, à savoir que je refais... ce chapitre pour la deuxième fois, parce qu'en fait, par mégarde, j'avais supprimé les rushs, enfin la vidéo que j'avais enregistrée, tout simplement. Donc voilà, je le refais. Tiens, ça, je ne l'avais pas vu apparemment. Bon, je vous laisse faire pause pour le lire. Donc voilà, je le refais pour la deuxième fois. J'ai essayé de refaire un petit peu ce que j'avais fait avant. Donc j'ai dû repartir d'une sauvegarde, enfin du chapitre d'avant, encore avant, en fait. Donc j'essaie de tout faire bien. Donc voilà, on a une lettre, un trésor, deux personnages, un disque et une amélioration de santé. Donc on a déjà un personnage, Seth Ross. Aux yeux du monde extérieur, Seth Ross était un simple horloger de Stuttgart, mais en secret elle était membre de la Daatichud, une organisation réalisant des recherches stupéfiantes dans de nombreux domaines scientifiques. Quand les nazis ont pris le contrôle, il a réussi à leur échapper pendant plusieurs années, mais il a fini par être arrêté et envoyé dans un camp de travaux forcés. Ok. Donc vous avez sûrement remarqué la lettre de Charlotte qui se trouve directement ici, qu'on va lire, enfin que j'avais déjà lu dans la vidéo d'avant, mais qu'on va relire, ce qui ne me plaît pas trop parce qu'elle est assez longue. Mon cher Bobby, nous sommes samedi soir et les bombardements viennent à peine de cesser. Je t'écris depuis le toit du bâtiment où le service auxiliaire de lutte contre les incendies a installé une caserne. Je sirote une tasse de café en fumant une cigarette, mais le bruit des klaxons résonne toujours dans mes oreilles, tout comme le sifflement que font les bombes en tombant du ciel. Je vois la ville entière d'ici, elle est toujours d'une beauté sordide malgré les dégâts, tu ne trouves pas? Vieille rue des crasseuses, mon foyer et mon cœur. Merci pour les lettres, mon amour. Si tu savais comme elles me font plaisir, j'espère que ma réponse tardive ne t'a pas causé d'inquiétude. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais si j'ai attendu aussi longtemps, c'est parce que je ne voulais pas te manquer de sincérité. J'avais peur que mes mots te perturbent, mais en y réfléchissant bien, je pense qu'il vaut mieux dire la vérité. N'es-tu pas d'accord? Alors voilà la vérité. Londres est en feu, des colonnes de fumée s'élèvent de la ville comme des piliers qui empêchent le ciel de s'effondrer sur nous. Les bombardements implacables durent jusqu'au petit matin et chaque jour nous devons lutter pour nous raccrocher à nos derniers fragments d'espoir. Comment peut-on garder courage face à une détermination si impitoyable? Je l'ignore, mais heureusement d'autres le savent. Je suis toujours couverte de suie, je sens la fumée dans mes poumons. Les femmes n'étaient pas censées jouer les pompiers au début, seulement s'occuper des communications ou des cantines mobiles. Mais les choses ont changé. Il y a une heure, j'étais à l'école catholique de Kenningtown, à l'est de Londres, tu vois laquelle c'est. On essayait d'éteindre l'incendie qui s'y était déclaré après un bombardement. Les flammes étaient tellement intenses qu'on aurait cru se trouver face aux portes béantes de l'enfer. Je tenais la lance avec Suzy Tuckfield et j'ai vu des enfants sortir des ruines en titubant, couverts de sang et de cendres. J'ai entendu des voix aiguës venant de l'intérieur de l'école en feu. L'une de mes collègues, Brittany, s'est précipitée dans les flammes pour essayer de sauver une fillette au deuxième étage, mais elle n'est jamais ressortie.
C'était une fille si gentille. Le mois dernier, nous avons perdu 3 de nos pompiers, tous de bons amis à moi, mais la vie continue, il le faut bien. La nuit, tous les habitants du quartier se réfugient dans un bunker que le vieux William McKinley a converti en bar. Les gens viennent s'y revigorer en buvant et en chantant. C'est assez étrange de voir la vie continuer comme si de rien n'était alors que les bombes tombent autour de nous. Typique des londoniens, non ? La nuit dernière, j'ai encore rêvé de notre petite Johnny. Nous étions à la fête foraine de Brighton, celle où nous allions pendant l'été, tu t'en souviens ? J'étais à genoux à côté de lui sur la jetée et toi derrière moi. Nous regardions la mer, elle était si bleue, Bobby. Bleu comme un saphir étincelant et si calme. Personne ne parlait de la guerre. J'ai passé tendrement ma main sur la joue de Johnny. Il mangeait une barbe à papa et j'ai ri quand il a été éclaboussé par une vague. Quand je me suis réveillé, je sentais toujours la peau toute douce de sa joue contre ma main. Comme si je l'avais vraiment touchée. Mes larmes ont mis longtemps à s'arrêter, Bobby. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à lui. Quand tu rentreras à la maison, tout sera terminé. Quand tout sera terminé et que nous serons réunis, je veux que nous partions nous installer à la campagne, comme nous en avons toujours rêvé. Je sais que nous sommes pauvres, mais nous réussirons à nous débrouiller ensemble, je suis persuadé. Je dois te laisser, j'entends les sirènes, je posterai cette lettre en sortant. Promets-moi de continuer à m'écrire, tu me manques tellement, Bobby, reviens-moi vite. Avec tout mon amour, Charlotte. Voilà, c'était une très longue lettre. Faut que je reprenne mon souffle. Ok, c'est parti. Donc, il nous faut un chalumeau, les enfants. Là, il y a une petite interaction avec les pois. On a pris le plus petit. Toujours en forme, mon vieux. Eh ouais, toujours en forme, Coco. Le chalumeau. Au passage, on va parler à cette dame. Excusez-moi, c'est que... Mon alliance, je l'ai perdue. Une maladresse. Je l'ai perdue sur le chemin du retour. Elle ne vaut rien, mais c'est le dernier souvenir que j'avais. Quelqu'un a l'air de s'intéresser aux hélicoptères. Ok, donc là, il faut qu'on trouve une bague. Vous inquiétez pas, on va rapidement la trouver. Une bague. Là, il n'y a rien. Alors, pour l'amélioration de santé, on va voir tout à l'heure. D'accord. Ah oui, alors eux, ils vont me dire juste merci, donc on s'en fout. Il me semble que c'est Fergus qui a le chalumeau. Tac. Alors la bague, elle est là, dans les toilettes, juste par terre, là, vous la voyez, elle est ici. Hop. Fergus a pris le chalumeau. Petit enfoiré. Tac. Alors ce chapitre va pas durer, quoi que si, va durer un petit moment. S'il passe en dessous de la barre des 20 minutes, en fait, je vais continuer en enchaînant le prochain chapitre. Donc vous, bah, ça va couper de vidéo, évidemment, parce que je fais les vidéos en fonction des chapitres. Mais sinon, vous avez qu'à lancer le prochain, enfin la prochaine vidéo, si jamais elle est disponible en ligne, parce que généralement, j'attends une journée avant de la mettre. Pourquoi je vais là, moi? Voilà, et sinon, faut attendre, hein, tout simplement. Parce qu'au niveau de l'upload, c'est pas... Voilà, je suis obligé d'attendre que celle-ci soit uploadée avant d'uploader la prochaine. Et la prochaine vidéo va durer pas mal de temps, je le sais. Donc, tiens, ta bague. Hop, voilà, le vase en or. Voilà, c'est en rendant en fait la bague qu'on obtient le vase en or. Ok, donc on va aller prendre l'amélioration de santé. Donc une cinématique va s'enclencher. Alors cette cinématique en fait, elle est assez spécifique à la version à laquelle vous jouez. C'est-à-dire que là on a sauvé Fergus, souvenez-vous. Donc en fait on va avoir une cinématique propre à la version de Fergus. Si vous avez sauvé Wyatt, c'est une cinématique tout à fait différente en fait, vu que les personnages en eux-mêmes sont différents. Donc c'est parti. Nom de Dieu, t'éclat! Qu'est-ce qu'il y a, vous dormez pas? Je n'aime pas dormir. Qui me dit que je me réveillerai après? J'ai une question pour vous. Il n'y comprendra rien. Où est-ce qu'on va quand on perd conscience? Pourquoi on perd notre temps? Quoi? Surprise, surprise.
Vous avez un cerveau. Le cerveau est un organe qui traite les informations en exécutant un processus électrochimique. Votre conscience est une propriété émergente de ce processus. Au fond, rien de plus qu'une page blanche. En d'autres termes, vous êtes seulement ce processus. Fondamentalement, vous avez l'expérience d'une existence continue. Vous êtes vous, à ce moment du temps, le même vous que par le passé. Et vous avez la sensation de parcourir ce continuum de vous-même dans le futur. Vous me suivez ? On dirait que non. Je poursuis. Il arrive que le cerveau subisse différents traumas, interrompant momentanément le processus électrochimique, comme un boxeur qu'on met KO. Dans ces cas-là, le cerveau n'exécute plus ce processus électrochimique organisant l'information. La conscience disparaît, vous perdez conscience. Faites bien attention. À ce moment du temps, votre conscience, ce qui vous caractérise, votre continuum de vous-même, a cessé d'exister dans le monde physique. Mais un peu plus tard, le processus électrochimique peut reprendre, permettant à votre conscience d'émerger des informations stockées dans le cerveau. Mais une question, où vous trouvez-vous à ce moment-là? Non, il est trop bête. Ne devons-nous pas partir du principe que lorsque la conscience n'est plus, la personne meurt? Qu'une nouvelle conscience apparaisse ou non dans le même cerveau est totalement sans importance pour la conscience défunte. La nouvelle conscience est simplement une nouvelle personne. Parce qu'elle émerge du même cerveau, elle a accès aux mêmes souvenirs et structures cognitives que la conscience décédée, et elle croit donc être la même personne, mais en réalité, imposteur qui a hérité de l'organisme et du cerveau de l'autre qui l'a précédé et qui est maintenant mort. Oui, c'est comme parler à un enfant. Et l'âme dans tout ça? Oh, non. Je savais qu'il était bête. Ce que vous appelez l'âme n'existe pas. Nous sommes des machines biologiques, rien de plus, rien de moins. Idiot! L'âme n'est qu'un concept vain rêvé par des prêtres et des armées de fabulistes. Vous êtes une anomalie, vous êtes une donnée aberrante! Un anus riant, voilà ce que vous êtes! Je ne sais pas quoi penser de vous. Qu'y a-t-il? Vous êtes venu m'aider? Personne ne peut vous aider. Sur quoi vous travaillez? Recueil de données, activités ennemies, schémas comportementaux, les nôtres, les leurs, probabilités, développement de prévisions. Comment distribuent-ils leurs ressources? Où vont-ils attaquer? Et après ça, quels facteurs déclenchent leurs actions? Je réfléchis à leurs décisions avant qu'ils les prennent eux-mêmes. À vous entendre, l'avenir serait inévitable et toutes nos décisions ont d'ores et déjà été prises. Vous croyez à l'existence du libre arbitre? Vous ne savez rien de ce qu'est ce monde. Vous voulez être maître de votre destin, non? Ce combat est déjà perdu. Nul ne saurait vaincre les lois de la physique. Je suis maître de mes actions. Ça, au moins, je le sais. Tous les phénomènes du monde physique suivent la célèbre règle de la cause et de l'effet. Votre cerveau n'y fait pas exception. Si vous connaissez les causes, vous pourrez prévoir leurs effets. Et il en va de même pour tout. Alors pourquoi tout cet arsenal? En prévision de la fin. Je sais où me conduit mon destin, et j'ai l'intention d'emporter un maximum de nazis avec moi le moment venu. Vous savez vous servir d'une arme à feu? Vous voulez m'apprendre? Et voilà, donc une cinématique assez sympathique hein, que j'ai bien aimé, qui donne en fait qui fait une petite pause, on va dire, dans l'histoire du jeu, qui rappelle des éléments un petit peu naturels comme ça. Hop, amélioration de santé. Le disque, alors il est en bas et le personnage manquant, il est en bas aussi. OK. Donc je pense qu'on va vite passer sous la barre des 20 minutes. Ou 30, hein, même si c'est 30 minutes, je pense que justement pour me faire pardonner de l'attente en fait de cette vidéo, je vais mettre le prochain juste après. Eisenwald ? Chut, c'est lui. Ah, les batteurs, ils parlaient de moi. J'ai des batteurs. Wouhou. Alors, ça travaille sur les hélicoptères. Fergus. Vous espérez que je vous donne des réponses, non ? J'ai des réponses, grand singe. Des réponses très importantes. Des réponses révélatrices. Mais elle ne vous plairait pas. Elle vous donnerait plutôt envie de baisser les bras et de vous rendre. Elle vous donnerait un nœud à l'estomac. Elle vous briserait le cœur même. Alors allez plutôt chercher vos réponses ailleurs. Ok. Fergus, je veux le chalumeau. Qu'est-ce que tu veux, Blazkowicz? Je cherche le chalumeau. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu.
Oh, attends, si, t'as raison, c'est vrai. Je voulais réparer la... la rambarde au-dessus de l'entrée secrète de la fontaine. Ce truc m'a glissé des mains et il est tombé dans l'eau. J'ai du pain sur la planche, mais si tu veux chalumeau, tu as mon autorisation express de te baigner. La porte de l'entrée secrète est dans la pièce principale derrière. Donc c'est parti, on va aller récupérer le chalumeau. Au passage, on va récupérer une amélioration de... du laser craftwork, hein, cette fameuse arme qu'on avait déjà. C'est là-bas. Excuse-moi, je voudrais pas te gêner en pleine réflexion, mais je dois ouvrir cette porte. Ah, mais tu me déranges pas. Non, je pense seulement à des trucs que je préférerais oublier. C'est si horrible. Oh, je me dis que je devrais avoir le cerveau en miettes après avoir vu tout ce que j'ai vu. Pourquoi c'est pas le cas? Je sais pas. Peut-être que ça a déjà commencé sans que je le sache. On change tous. Peu importe qui t'es, ce que t'as dans le buffet. Tu vois, toi et moi, on doit juste chevaucher la tornade et peut-être en sortir entier. Et tu es tous les nazis. Et tu es tous les nazis. Je trinquerai avec toi pour fêter ça, une fois que le moment sera venu. Ça marche. Ok. Donc on a débloqué le modèle Bombait. Bombait a grandi dans les rues de Windhoek en Namibie. Quand les nazis sont partis à la conquête de l'Afrique, Bombait s'est rendu dans le nord du continent pour les combattre. Au bout de 2 ans de contre-attaque réussie contre les envahisseurs, Bombait a été capturé et emprisonné dans un camp de travaux forcés. Voilà, donc il nous manque le disque qu'on va avoir tout à l'heure. Au passage, ah oui, je vous l'ai pas dit, parce que je l'avais déjà dit dans la vidéo, mais j'ai oublié. Donc j'ai récupéré le standalone de Wolfenstein, hein, The Old Blood, que je vous filmerai aussi. Bon, pour l'instant, je l'ai pas commencé, mais voilà, c'était juste la petite information. Ah, merde. Tac. Le chalumeau ! Tayo ! Hop. Oula. Ist es dort nicht gefährlich? Ich meine, wegen des Krieges. Die Front ist weiter im Süden. Afrika ist ziemlich groß, weißt du? Mein Mann wollte immer schon mal auf Großweltjagd gehen. Ich würde so gern einen Elefanten sehen. Tja, wo ich war, gab es keine Elefanten. Aber es muss bestimmt noch welche geben. Hop. Alors on aura des petites interactions comme ça avec les nazis qui sont un petit peu ici et là en fait. Bon, ça a pas de grand intérêt, mais... là, je dois aller où? Tac. Alors. Ah oui, alors là, on va avoir un petit combat aussi. Hop. Alors, tout de suite à droite, on va récupérer l'amélioration hop, du LKW, le stromboscope. Et maintenant équipé d'un stromboscope, quand vous tirez, ce dispositif produit un flash lumineux aveuglant qui désoriente temporairement les cibles lui faisant face. Ok. Bon, là on s'en fout, on passe, ils disent de la merde. Là y'a rien. Là on va prendre l'armure parce qu'on n'est pas fou. Tac. Alors pourquoi je fais tomber ça? Pour une simple et bonne raison que là on va avoir un ennemi à combattre et qu'il n'est pas très sympathique. Ok, donc là je suis dans le caca. Alors on fait gaffe parce que au corps à corps il one shot. Hein.
Recharge, 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 recharge. Voilà. Tac. Alors, je crois que vous pouvez récupérer... tac, de l'armure ici et là, mais bon, ça a pas grand intérêt. Donc voilà, faut tuer ces messieurs en fait pour passer. Tac, la porte se referme. Là, on va récupérer le CD. Tac. Véritable symbole de l'amour naissant, les chansons de Carl et Carla parlent de couples se tenant la main, de balades dans les prés et de pique-niques sur les collines endoyantes. Un rendez-vous au cinéma et un petit bisou sur la joue, voilà à quoi ils aspirent, et surtout ne vous inquiétez pas, nos deux tourtereaux seront de retour à la maison avant le couvre-feu. Merci. Hop. Donc là, il faut aller là. On va couper ça pour passer. Et là, on va retourner dans notre cachette bien-aimée, hein, vous allez voir, de toute façon. Hop. Et voilà, donc là, normalement, on a tout récupéré. Ce qui est dommage, c'est que je pense que j'aurais pu faire... il est où ? Ah bah non, je l'ai déjà fait, ok. Donc ça, ça l'a pas... Ah oui, non mais ça c'est chaud. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on fera le reste plus tard. Donc là, on va donner... Si on veut voler un sous-marin nazi, il faut que Seth répare cet engin sur la table. Donne-lui un coup de main, tu veux ? Bah oui, c'est ce que je fais. Tiens, le chalumeau. Oh, Ishakor, Jimson, Ishakor. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, attendez. Pourriez-vous transmettre ce mot à Anya? Elle aura besoin de la fréquence du transpondeur pour le suivre. On le prend pour le garçon de course. Hop, donc là, je vais donner le mot. On va avoir une petite cinématique. Et puis après, bah, je vais couper... Enfin, vous le verrez pas, mais voilà, on va passer au chapitre suivant et je vais continuer sur la lancée. William, t'aurais un moment? Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Voilà ce que je veux. Avec toi. Comme ça. À jamais. On y arrivera, William. Promis juré. Finissez vos petites affaires, on va partir. Mais pas tout de suite. Écoute ma voix, Blazkowicz. Là où tu es, dans les tunnels d'égout, l'appareil intestinal de la ville. Et plus profond encore, les catacombes de Berlin. Un vaste complexe. Le site le plus sécurisé de Berlin. Le stock central de munitions du régime nazi. On pourrait faire tant de choses avec ces armes. Émeutes, révoltes. Cette voie d'accès est bloquée par les eaux. Impénétrable aux étrangers. Il n'y a qu'un seul moyen de forcer le périmètre. C'est un glisseur sous-marin. Les nazis s'en servent pour la maintenance. Il nous a fallu des années pour le remettre en marche.